ben dis donc, vous parlez d'une agitation, Tu sais, une journée porte ouverte, c'est forcément agité. Ouais, enfin moi, tout ce que je vois, c'est qu'on n'a pas cours de la journée. Ouais, t'as raison, c'est toujours ça de sommeil, hein. Bon, de toute façon, faut être là, alors. Ouais, et il se tapait le discours de Gotra. Ah, bah obligatoire pour tout le monde. Ah, sauf pour Yves. Avec sa grippe, il va peut-être y échapper. Ah, bah justement, Sophie est partie lui apporter ses cours. Ah. Ouais, n'empêche que je pense que ça va être d'un rasoir discours. Ah, Gotra va se mettre à crâner devant les parents, j'imagine déjà. Bonjour tout le monde. Coucou. Eh bah, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est pas Mardi Gras aujourd'hui. Ah non. On dirait des jeunes cadres dynamiques. Ouais, ouais. Ou des premiers communions. Oh, elle est rigolote. Et vous avez dévalisé une boutique de prêt-à-porter. Ah, oh, oh, oh. Qu'est-ce que vous croyez, là ? Ouais, nous, quand on fait les shows, on les fait très bien. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. C'est important de montrer une bonne image de soi. Hein. Voilà. Ah, c'est parce que vos parents vont venir. Comme c'est mignon. Oh, c'est chou. Nos parents. Ça va pas la tête. Nos parents, on les a déjà assez sur le dos. À la maison, c'est pas pour les voir traîner dans le lycée, ok, t'as compris? Ça, c'est très clair. Ouais. Et puis de toute façon... Oui, oui, on a intercepté les invitations, si vous voyez ce qu'on veut dire. Non mais attendez, vous imaginez un petit peu, nos parents au lycée, oui. Ils rencontrent nos profs. Avec les résultats qu'on a, mais vous y pensez pas ou quoi? Bon, et pourquoi vous êtes habillé comme ça? Bah écoute, ouais. Je sais pas, on est un petit peu les maîtres de cérémonie. Ah bon, les maîtres de cérémonie? Bah attends, c'est pas regarder. Non mais attends, comme on s'est embêté tous les autres années, on s'est dit, cette année... On fait notre programme et on l'a fait, voilà. Mais on l'a fait et on vous garantit une journée porte ouverte mouvementée. Voilà. Oui, oui. On vous promet une très belle cérémonie, hein. Complètement si fou. Alors j'espère que tout le monde a bien compris le déroulement de la journée, n'est-ce pas? Ah mais tout à fait, monsieur le proviseur. Je suis sûr que ce serait une journée mais formidable et tout à fait inoubliable. Mais je l'espère. Je l'espère. En tout cas, je vous rappelle que le point fort, ce sera mon discours, que je prononcerai à 15h précises. Alors, je souhaiterais que tout le monde soit là, bien sûr. Hein, parents, élèves et professeurs. Et je compte sur vous. Nous ne voudrions manquer ça pour rien au monde, monsieur le proviseur. Vous verrez, vous verrez. J'insiste particulièrement cette année sur la pédagogie que nous mettons en pratique dans notre établissement. Et ce sera intéressant pour vous, messieurs. Nous sommes très impatients de l'entendre, monsieur le proviseur. Je comprends tout à fait votre impatience. Mais vous n'allez pas chômer non plus, vous aussi, hein? Monsieur de Bigné, votre table ronde sur la philosophie est prête, j'espère. Tout est prêt, monsieur le proviseur. La table est là, il ne manque plus que les parents d'élèves. Très bien. Monsieur Maillet, vous savez ce que vous avez à faire? Ah oui, oui, monsieur le proviseur, je vais visiter la bibliothèque. Parfait. Et surtout, n'hésitez pas à insister sur les technologies nouvelles, n'est-ce pas, l'informatisation des données. Ce que j'aimerais, c'est qu'en fin de journée, les parents d'élèves soient convaincus que notre établissement est le meilleur de toute la région. N'est-ce pas? C'est notre objectif à tous. Ah oui, j'oubliais de vous dire. J'ai fait obturer toutes les fenêtres de l'établissement afin de pouvoir diffuser des diaporamas en continu, n'est-ce pas? Sur l'orientation, enfin, différents sujets que j'ai pu obtenir à l'académie. Voilà. Alors, dès que vous voyez une salle inoccupée, vous branchez un diaporama. C'est pas grave si les gens ne regardent pas, hein. L'important, c'est pour l'ambiance, n'est-ce pas? Pour l'ambiance. Tu parles d'une ambiance? Mettre des rideaux noirs aux fenêtres. Vous disiez, Maillet? Ah non, je disais rien. En fait, je disais que nous nous réjouissons de découvrir ces diaporamas. Quant à vous, monsieur Caldero, vous serez avec moi le reste de la journée. Vous serez en quelque sorte mon poisson pilote. Avec grand plaisir, monsieur le proviseur. Bien, alors. J'espère que vous avez tous conscience de votre mission, n'est-ce pas? Ce que j'aimerais, c'est que nous offrions aux parents d'élèves un visage de notre établissement où la discipline n'exclut pas une certaine, comment dirais-je, convivialité. N'est-ce pas? Bien. Ah, oui, eh bien, je crois que voilà les parents d'élèves. Alors surtout, que chacun regagne son poste. Allez, je ne tiens pas à faire attendre les parents d'élèves. Voilà. Vous
voulez que je reste? Oui, oui, oui. J'ai une mission spéciale pour vous cet après-midi. Et de quoi s'agit-il? Voilà. J'aimerais prononcer mon discours à côté du buste d'Edouard Herriot, qui est en quelque sorte une vitrine pour notre établissement, puisqu'il y fut élève. Je trouve que ce serait un spectacle intéressant. Moi, à côté du buste, prononçant mon discours, ça peut avoir une certaine allure, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Mais j'ai jamais entendu parler de ce buste auparavant. Ah bah forcément, il ne quitte jamais la salle des archives. Ah oui, oui, celle qui est au deuxième sous-sol du lycée. C'est cela, et c'est pour cette raison que j'ai besoin de vous, oui, pour m'aider à porter ce buste qui est en marbre. En marbre? Oui, je sais, c'est lourd, mais c'est pour cette raison que je vous ai choisi, mon petit Caldero. De chance, les filles. Alors, tu parles avoir été désignée par Gautra comme hôtesse d'accueil. C'est pas vraiment la joie. Ouais, surtout qu'elles pensaient passer leur journée avec leur petit Devine et chéri. C'est raté. T'as vu un peu le canon? Bah oui, elle est en terminale S. Tu l'as jamais vu? Bah non, tu sais, moi, je regarde pas vraiment les matheuses. Mais là... pas qu'elle ait une tête de matheuse. Oh, elle a plutôt une tête à se faire mater. Je crois que j'ai une touche. Oh, bah ça va, Michel, t'emballe pas. Ah, je t'assure, à m'a regarder. Ouais, et Audrey, tu connais? Bonjour, monsieur Daubigné, je suppose, le professeur de philo de ma fille Séverine. Bonjour, tout à fait. Je vous présente mon épouse. Bonjour. Enchanté. Je voulais vous demander, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre corrigé de dissertation sur science et philosophie. C'est vrai? Et puis écoutez, ça fait plaisir de voir que des parents s'intéressent à la philosophie. Il y a une chose qui me chagrine tout de même un petit peu, c'est que vous avez fondé votre démonstration sur la métaphysique d'Aristote et sur les principes de la philosophie de Descartes. Oui, c'est exact. Mais pourquoi vous n'avez pas cité Bachelard et sa philosophie du nom? En effet, oui, j'aurais pu... Parce que Bachelard a clairement montré qu'une réflexion philosophique est nécessaire pour créer les conditions de l'objectivité scientifique. Bon, Fabien, t'es sûr? Tu sais bien où se trouve le disjoncteur. Mais stresse pas, Bichounet, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton rose, tout. Mais je stresse pas, mon enfant. Mmh. Bon bah j'y vais, hein. Ça va être d'enfer. Il est vrai que j'aurais pu parler de Bachelard, mais j'accorde autant d'importance aux réflexions des élèves qu'à celles des grands penseurs. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, gardez votre calme, pas d'affolement. Merci. Oh là là, mais pourquoi on est dans le noir? Ne vous inquiétez pas. Mesdames et messieurs, rassurez-vous. Il s'agit simplement d'un petit incident technique. Le courant va être établi d'une seconde à l'autre. Rassurez-vous. J'espère bien. Qu'est-ce que c'est que ce lycée? Oui. Mesdames et messieurs, un peu de calme. S'il vous plaît, ça va venir. Ah. Vous voyez, je vous avais pas menti. Voilà. Michel, le courant est revenu. Hein? Quoi? Bon, eh bien, puisque tout est rentré dans l'ordre, mesdames et messieurs, je vous laisse. Bon, le discours maintenant, le discours. Le discours, il est où, le discours? Le voilà. Bon, alors maintenant, un tour de passe-passe. Je garde la première feuille et je change le discours. Oh, la tête du singe quand il va voir son discours en latin. Tout est bon.
Monsieur le proviseur, je peux vous parler, s'il vous plaît? J'en aurai pour une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben voilà, je me disais que si j'ai la chance d'avoir mon bac... Oui, on voit ça, vous faites bien de le lire comme ça. Pour avoir votre bac, il vous faudra pas mal de chance, en effet. Oui, en effet, oui. Enfin bon, quand j'aurai mon bac, si je l'ai, j'aimerais vraiment beaucoup faire de l'informatique. Et je me disais que vous pourriez peut-être me donner des conseils par rapport aux filières. Bah oui, c'est avec plaisir, mais pas ici, c'est pas le moment. J'en ai pour 5 minutes, et puis aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. C'est fait pour ça, donner des conseils aux élèves, non? Oui, bon, alors, vous avez plusieurs solutions. Vous avez la filière courte, hein? Et dans votre cas, d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure. Mmh. Ensuite, vous avez les filières longues. Mmh. Seulement, elles nécessitent des examens assez compliqués, intégrer des écoles d'ingénieurs, etc. Ah non. Ah non, 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 vous savez, les écoles d'ingénieurs, c'est pas fait pour moi. Bah merci beaucoup, monsieur. Non, mais vous savez qu'avec un peu de travail... Non, je vous assure, d'autant plus que je sais même pas si j'aurai mon bac, donc... Enfin, voilà, merci beaucoup, monsieur. Ah, quelle énergie humaine. Bon discours. Alors. Mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous exprimer ma profonde reconnaissance d'avoir consacré un peu de votre temps si précieux à l'éducation de vos enfants, qui représente l'avenir de notre société. Merci. Entrez. Ah, Calderon. Alors, quelle nouvelle? Eh bien, écoutez, tout va bien, monsieur le proviseur. Je viens à l'instant de finir de remettre en état la salle des professeurs. Ouais. Et écoutez, incroyable, les parents sont fous de joie et apprécient vraiment cet endroit, cet parfait, espace. Parfait, parfait. Tout est rentré dans l'ordre, c'est merveilleux. Bien. Il nous reste maintenant que votre discours, qui est attendu, laissez-moi vous le dire, avec beaucoup d'impatience. Vraiment, vous croyez? Ah, sans aucun doute. Tout ira très bien. D'ailleurs, quand je suis entré, j'ai cru entendre que vous étiez en train de le répéter, non? Vous savez, vous apprendrez ça avec l'expérience, Caldero. Il ne suffit pas qu'un discours soit bon, encore faut-il le dire avec conviction. Ah, et vous comptez nous lire tout ça? Caldero, à mon âge, je travaille sans filet. Je ne vais pas lire tout ça. Non, 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 non. Ces simples pages, c'est pour me rassurer. Non, je connais mon discours par cœur. Ah. Mais non, non, c'est pas possible. T'as entendu ça? Ouais, s'il connaît son discours par cœur, ça sent le pétard mouillé, notre truc, hein. Bien. Bon, écoutez, laissez-moi vous dire, monsieur le proviseur, que je suis vraiment impressionné. Je vous remercie, monsieur Caldero. Pour les compliments, c'est encore un peu tôt. Bon, c'est le moment de notre mission. Hein? Le buste. Ah oui, la fameuse surprise. Vous n'avez rien dit, j'espère. Oh, vous me connaissez, monsieur le proviseur? Ah, personne. Très bien. Direction deuxième sous-sol. Très bien. Allez. Dis-moi, Fabien. Pour descendre au deuxième sous-sol, il faut prendre le monde charge. Bah oui, oui. Et alors? Bah, je sais pas. Ça te donne pas comme une idée? Non. Tu veux pas? Bah écoute, y a pas une minute à perdre. Ah bon, allez, on y va. Allez, viens. Alors, ça commence quand, ce discours? J'en sais rien. Le proviseur devrait être là depuis une demi-heure. Alors... Mais il est nulle part. J'ai cherché partout, dans toutes les classes. Aucune trace de Gautrin, il n'y a rien à faire. Bah, il s'est quand même pas volatilisé. Bah, tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? J'en sais rien. Oh, puis Gérard, lui aussi, a disparu. Ils ont dû partir ensemble et ils ont été retenus. Je vois pas d'autre explication. Ouais, mais parti où? On a cherché partout. Moi, j'en ai assez d'attendre. Un proviseur qui n'est pas à l'heure, quel exemple pour les jeunes. Vos invités ont l'air de s'impatienter. Bah oui, il faut faire quelque chose parce que sinon, ils vont partir les parents. Et puis, bonjour, la réputation du lycée. Bon, qu'est-ce que tu vas faire pour Séverine, toi? Rien, pourquoi?
Ah ouais, tu trouves pas ça gênant pour Audrey? Pourquoi tu veux que ce soit gênant? On a passé un bon moment, un très bon moment même, mais Audrey n'en saura jamais rien. Ah bah t'es cool, hein. Ah, j'adore ta façon de réagir. Moi, si j'étais aussi cool que toi, j'aurais moins de problèmes avec Flo. Ah, ça c'est sûr. Ah, bah, le problème, c'est que je serai jamais comme toi. Eh ben, cette journée porte ouverte, on s'en souviendra, hein. Ouais, je savais pas que c'était si dur de passer toute sa journée à sourire. Hein. Ah, c'est simple, j'ai cru que j'allais attraper des crampes. Oh, dis, refais-moi un sourire, t'es tellement mignonne quand tu souris. Bon, si t'insistes, je t'étrangle. Bon, et vous, les garçons, c'était comment cette journée? Super sympa, hein, Michel? Ouais, c'était pas mal du tout. On a même beaucoup pensé à vous. Oui, surtout pendant la table ronde de votre cher petit Debigné. Ratez ça. Ouais, moi j'espère que t'as été sage au moins. Est-ce que tu vas t'imaginer qu'est-ce que j'aurais pu faire au milieu de cette foule? Hein, Serge? Bon, et le discours? Il a l'air sérieusement compromis. Bah oui, personne ne sait où est Gautran, pas même les profs. Alors les filles, vous en pensez quoi de notre petit programme là pour la journée porte ouverte? Ça vous amuse, hein? La coupure de courant, c'était vous alors? Évidemment. Et les gros nichons sur le mur, c'était vous aussi? Ça t'a plu, un gros cochon. Bon, et pour Gautran? Alors là, pour Gautran, c'est notre chef-d'œuvre. Oui, on a voulu truquer son discours, mais il l'avait appris par cœur, donc on l'a coincé dans le monde de charge avec Abdero. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, si je prends la parole, c'est pour vous féliciter d'être venus aussi nombreux. Votre présence montre tout l'attachement que vous portez à l'éducation de vos enfants. Qu'est-ce qu'une éducation, si ce n'est, comme le disait Nietzsche, le mouvement conduisant un individu à son épanouissement? Et je voudrais pour terminer rendre hommage à tous les élèves du lycée qui ont tout fait pour que cette journée soit pleinement réussie. Certains d'entre eux ont même participé activement à l'élaboration du programme. Et je tenais particulièrement à les féliciter, en votre nom à tous. Ça, c'est un beau discours. Et en plus, leur acteur est agréable à regarder. Moi, pour écouter un prof comme ça, je redeviendrais bien lycéenne. Pas mal le discours, hein? Ah ouais, il est vraiment trop dominé. Vous vous rendez compte, il a tout improvisé. Bah alors, moi aussi je peux improviser. En parlant de toi, je peux tenir des heures. Alors là, vraiment, Phil, tu m'as épaté. Oh là, j'aurais voulu que Gautran te voie. Non, bah, tu sais, si Gautran avait été là, j'aurais écouté sagement son discours. Oui, mais nous, on aurait piqué un somme, tu vois. Monsieur Zikowski et Monsieur Roussel, je peux vous parler? Oui, monsieur, mais... Ah non, il y a nos parents, il faut aller les voir. On est désolé, on les rattrape. À demain. À demain. Papa, maman, oh, papa. Monsieur Maillet, vous ne pouvez pas imaginer ce qui nous est arrivé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes restés coincés dans le monde charge, et grâce à M. Caldero... C'est lourd, hein? Oui, c'est lourd. Grâce à M. Caldero, nous avons pu nous échapper par la trappe. Quelle aventure! Oh là là, mais le problème, c'est que je suis en retard pour mon discours. Maillet, vous me convoquez les parents d'élèves, hein? Je crois que je suis prêt. Allez, mettez-le là. Oui, mais monsieur le professeur, j'ai déjà laissé... Mais non, ne compliquez pas les choses. C'est... Un, deux... Le problème, monsieur le professeur, c'est que... pour le discours, c'est terminé. Allô, le discours. Un, deux... C'est trois, terminé le discours, les parents sont rentrés chez eux. Quoi? C'est parti?